Bah alors. Bah alors, point, 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 point. Bah alors, point, point, point. Point, 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 point. Point, 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 point. D'accord, pas de point, point, point. Okay. Pas de point, point, point. Oula, voilà. Laissez-moi monter le son du jeu. Book. Voilà. Point, 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 point. Le fourreau est pas un peu petit pour l'épée? Production asiatique. Pardon. Et je parle de fourreau, hein, pas d'épée. Alors. Bonsoir, comment ça va? Eh ben. Grosse thérapie aujourd'hui, les enfants. Grosse thérapie. Et justement, parce que j'ai littéralement les tempes et le centre d'entre les yeux, tu sais, là où ça se rejoint avec le nez, là, là où ça fronce, les rides du lion, tu vois, en feu, j'ai décidé de play Video Games. Vous avez le droit d'écrire Video Games de la manière la plus ridicule. Hein. C'est parti. Hein. Video Games. Video Games. In due time. Alors, Pidio Games. C'est bien Tsuki, c'est bien tenté, mais là c'est Pidio Kang. Merci. Electronic Arts. Ça veut plus rien dire quand vous écrivez les choses. Impeccable. Alors, souvenons-nous de ce qui se passait. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce qui se passait? Vous êtes souvent beaucoup plus efficace pour me rappeler ce qui s'est passé la dernière fois, si tu veux. Ah oui, il y a plein de compagnons qui volaient des choses aussi. Explorer la grotte mystérieuse de la carte de Luna. Ça, c'était pour Jubilost. Ok. La forteresse naine abandonnée. Ça, c'est pour Harim. Lindsay au tournoi de Vive Lumière. Très bien. Amiri à la taverne, l'épée reforgée. Jésus. Octavia, très bien. Régongar, très bien. I am never wrong. Ah oui, on s'était saucé Amiri aussi, par contre, on avait tout gagné. Hein. Ouah. Allons d'abord à la taverne. T'as payé le collier à Valérie, mais j'ai payé, pété l'armure de plaque à Valérie. I'm there. Ah, Amiri. Vous vous rappelez, esprit maléfique qui hantait les six ours, celui qu'on a chassé? Ben, on risque de passer pour une folle, il m'a rendu visite en rêve. Rassurez-vous, Amiri, il est impossible que vous passiez plus pour une folle que vous ne l'êtes déjà. Merci. Mais de rien. Et donc cet esprit? Ouais, il m'a traité de voleuse sous prétexte que je lui avais fauché son épée. Vous voyez laquelle? La grande, là, celle qu'Armag m'a cassée. Et c'est pas tout, il prétend retenir l'ensemble de ma tribu en otage, ni la comprise. Il a menacé de les tuer si je lui rendais pas l'épée. Vous avez vraiment dérobé cette épée à un géant? C'est pas la peine de mentir maintenant. Bah, en vrai, je l'ai trouvée, ouais. J'ai prétendu la lui avoir arrachée au combat, mais ce géant était mort depuis belle lurette. Comment j'aurais pu savoir qu'il y tenait tant à ce vieux bout de ferraille, hein? Amiri, c'est bien, au moins elle est franche, elle est sincère. Tu es forte maintenant, t'as plus besoin de mentir. Et il est au courant que l'épée est brisée? Ah, il sait, c'est que j'ai conservé la poignée alors le fantôme m'a dit de forger une nouvelle lame. Il m'a même expliqué comment faire, il y a tout un rituel et tout, ça casse les couilles. Et il garde votre tribu en otage où? Il m'a dit de commencer par réparer l'épée, ensuite il me dira où je trouve les miens. Bon, eh bien, voyons voir ce qu'on peut faire. Je comprends, sa restauration va coûter les yeux de la tête, c'est trop cher pour moi, mais quand même. Ah, Nilak. I do what I must. Hmm.
Voilà. Ça m'intéresse de ce que tu as parlé de ta thérapie sur Twitter. Est-ce que tu peux développer ? J'ai fait un an de sport avec un maître de muscu, si tu veux. Et ça a réparé des milliers de choses vis-à-vis de moi. Maintenant que le terrain est bien labouré, si tu veux, je vais faire un an de psychothérapie avec une psy qui va muscler le cerveau, si tu veux. Et ça devrait réparer des tas d'autres choses. Après, ce qui reste, normalement, ça devrait être moi. De là, je me démerde. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Grosse erreur que font les adultes de nos jours que d'envoyer leur enfant chez les psys plutôt que de les envoyer faire du sport. Le psy, c'est après. Psy d'abord. Sport d'abord, psy ensuite. I'm there. Voilà. Alors, très bien. Tournoi de Vive Lumière, il est temps d'avoir le citoyen de Pitax et de participer à leur défi. Sauf que je m'en bats un peu les couilles pour l'instant. J'ai des tas d'autres quêtes à faire, j'espère que ça attendra un peu. Alors, projet, restauration de l'épée. L'épée d'Amiri a souffert du duel contre Armag, désormais utilisable et doit être réparée. Oh, oh. Véronicus. Oui, monseigneur. Véronicus, regardez Amiri. Oh mon dieu, la pauvre petite choupette, que lui est-il arrivé? Son épée est brisée. Oh là 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 là, nous l'emmènerons chez un vétérinaire immédiatement. Véronicus, un forgeron je veux dire. Et au sujet des dépenses, ne vous en faites pas, je sortirai ça de mes caisses personnelles. Je ne peux pas me résoudre à voir Amiri brisée ainsi. Véronicus, c'est la meilleure maman que j'ai jamais eue. C'est peut-être un homme, mais au fond de moi, c'est ma mère. Véronicus est un homme ? Valérie, tu peux pas le sentir à l'odeur ? Non, enfin, elle porte toujours des parfums et je... Véronicus, qu'est-ce que vous êtes vraiment à la fin ? Absolument tout ce que ton cœur désire. Les plus grands sont sous mes bottes, écrasés par la poigne de fer de mes talons. Regarde, Valkar. Oui, très cher. Tu vois? Ah putain. Merci Cédril. Vingt-deux jours pour réparer son épée, et bé. Bon. D'un côté, il faudrait qu'on aille en Pitax. De l'autre côté, je suis pas prêt. Allons parler à Octavia et Rigongar à la place publique. Attention, le tournoi de notre DPG, c'est limité dans le temps. T'inquiète. On va y aller. Lindsay ou Arim en premier ? Véronicus. Ok. Je m'inquiète, t'as demandé à l'usumé, t'as lu que Pouic. Ah, pour l'histoire, merde, Sullivan, reposte. Ah, attends. L'air pensif, Octavia vous attend en jouant avec un petit bijou en métal. Elle met un moment à remarquer votre présence. Ah, bonjour. Il semblerait que nous n'ayons pas été présentés comme il se doit, alors permettez-moi. Octavia della Fiorni, héritière d'un titre de noblesse, d'un manoir familial et même d'armoire agrémentée d'une devise. Ah bon? Un triste sourire aux lèvres, Octavia vous montre le bijou avec lequel il jouait. Il s'agit d'une brosse ornée d'un papillon et d'une flèche. Une devise est gravée sur sa partie inférieure. Ma conscience seule, je servirai. Ah, et Rigongar, on en a appris plus? Oui, mais il vous dira ça lui-même. Ainsi donc vous êtes noble. Oui, j'ai moi-même eu du mal à le croire, mais le doute n'est plus permis. Je suis la fille disparue de la marquise della Fiorni. Disparue, comme ils disent. Comment avez-vous découvert tout ceci?
Ça n'a pas été facile. Les registres de Janus nous ont permis d'élucider les circonstances de notre achat. Il y avait une mine de pression renseignement. Réseau de relations, fournisseurs, lieu de rendez-vous. La vérification de toutes ces informations nous aurait toutefois demandé de traverser toute la numérie à moitié des royaumes fluviaux. Il était hors de question de vous abandonner. Tant pis pour l'aventure. On a essayé à imiter les rois et les puissants. On a chargé des enquêteurs de remonter ces pistes à notre place. Mais ils ont tout découvert. L'identité de nos acheteurs, nos vendeurs, nos origines. Ils ont pas eu trop de mal à te retrouver ma famille. La marquise était déjà à ma recherche. Il aura suffi d'assembler les pièces de l'énigme pour comprendre que j'étais l'héritière disparue de la marquise Della Fiorni. En revanche, retrouver la tribu de règles leur a donné beaucoup plus de fil à retordre. Mais c'est sans importance, ils ont été grassement récompensés. Et où est donc votre famille? À vrai dire, ça n'est pas vraiment une. Della Fiorni était en déclin avant même ma naissance, et ma mère est la dernière représentante. Elle vit dans une petite demeure de la ville de Pitax. Je vais lui rendre visite et j'aimerais que vous veniez avec moi. Comme il vous plaira, votre excellence, ce sera un honneur de vous accompagner dans cette petite excursion. Octavia vous dévisage un instant, en proie à la confusion. Tout d'abord offensée, elle finit par éclater d'un rire franc et joyeux. Excellence, avec quel con! Une noble marquise du plus haut rang. Pouh! Me faites pas rire comme ça, regardez-moi par tous les diables, quel genre de marquise je fais? Vous pensez tout de même pas que si je me rends à Pitas, c'est pour réclamer un titre de noblesse, si? Merci quand même. Non, merci, mais merci. Le titre n'a aucune importance à mes yeux. Je veux juste voir ma mère. Ah, voilà. Eh ben, on dirait qu'on a retrouvé ma tribu. Maintenant, il ne reste plus qu'à avoir une gentille petite discussion avec ces fils de salauds. Et Octavia? Ah, pour tout vous dire, je vais la laisser raconter ça elle-même. Comment avez-vous trouvé? Longue histoire, on est passé par les registres de Janus, on a découvert qui nous a achetés, et on a donné la situation à des enquêteurs. Enfin bon, quand vous en souvenez, la situation par ici n'est pas des plus paisibles, mais bon. Bref, ouais, on a fini par engager des mercenaires. Ah, très bien. Vas-y, mais tu viens de repousser la nouvelle attaque de la commune. Comment elle va être très instable pour que tu restes, bute la méchante, quasiment que chaque PNJ a donné une quête, le cadre du tournoi est limité en même temps, ta raison unique du jubilos, t'as juste allé au lieu final, ta coque Octavia, tu as annexé toutes les régions dispo pour le moment, avec construction un jour. Excellent. Merci, super Kirby. Enfin, merci. merci, Sullivan. Ok. Et non, j'ai pas résolu les problèmes des poèmes avec la diablesse, pardon, réunion de dragons. Il faut qu'on rende une visite à notre famille respective. Voulez-vous venger? Je sais pas encore, ça se trouve, constater que la nature s'est chargée de châtier cette bande d'enflure à ma place suffira à me satisfaire. Au fond, je veux juste tourner la page. Parlez-moi de votre tribu. Des rats des égouts. Les morpions rachitipes, les taupes galeuses. Les bouseux de merde. D'accord, c'est les crocs affûtés. Ils ont pas choisi leur nom au hasard. Ils s'accouplent avec des orques pour renforcer leur sang. La classe, pareil, ils font des croisements, comme des éleveurs. J'ai été vendu deux fois. La première par ma truie de mère qui nous a mis au monde. Et la seconde par mon père qui a choisi de me refourguer aux marchands d'esclaves. Très bien. J'ai été traité comme un animal toute ma vie. C'est surprenant que je crapaille de pas à quatre pattes. Ils ont essayé de vous faire un de vous un animal, c'est vrai. Vous devriez être fier d'avoir su garder votre humanité. Lol. On est tous des animaux, certains d'entre nous paraissent simplement à poil plus civilisés. Vous ne vous crapahutez pas à quatre pattes, non. Mais vous sautez directement à la gorge. Ceux qui ont fait de vous un animal le regretteront amèrement. Ah, ça c'est sûr. Temps de régler les comptes, ça va pas être beau à voir. Allons rendre visite à votre tribu. Bonsoir. Ok. Bon. Merci, Wix. Follow if you dare. Très bien. Allez. Ouais, c'est équilibré. Ah, mais j'ai promis d'emmener Lindsay au tournoi aussi. Tant pis. Quoique je peux peut-être aller au tournoi juste après.
Tournoi en prio absolu. Chier. Qui est-ce qu'on veut pour le tournoi? Véronicus. Et Kuhn paraît être une bonne idée. Est-ce qu'il y a des... Ah, merci Lord Kane. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressants d'emmener au tournoi? D'un côté, je vais emmener Jubilost, parce que, tu sais, il veut explorer le monde et lui montrer le tournoi, c'est cool. Lindsay, c'est là, parce qu'il faut qu'elle vienne. J'aimerais bien prendre Kalike et pas Canera, mais ça, ça va être un switch qu'on va faire. Et Kundayo, si tu veux. J'ai les cornes de brume. Ouais, j'avoue. Et j'ai pris Valérie parce que il me faut mon chien. Dobix reste à la maison. Véronicus vérifie la niche. Amiri, tant que son épée n'est pas réparée, elle servira à rien pour l'instant. Elle reste là. Lui aussi. Non, mais... Ah, faut farmer des thunes pour le tournoi. D'accord. Niveau thune, le Léon n'a pas vraiment de soucis. Ah, Sullivan, non. Hein. J'investis dans les tasses, tu vois. Comment ça se passe côté thune? J'ai 150 000 balles. Est-ce que ça le fait, factionnis? Faut avoir environ 200K pour rentabiliser le tournoi, donc. À mon avis, avec les items que j'ai... C'est quoi, ça? Oh! Pas assez 200K. À mon avis, il y a bien une ou deux armes que je peux vendre. Genre, honnêtement, je pourrais presque me débarrasser d'Ovirban. Hein. Si je la vends pas, c'est parce que je respecte Gorum, si tu veux, mais... Bon, ok. Les chevaliers infernaux, t'as fini par les boucles. Tout à fait, ils veulent encore essayer de me recontacter ou un truc comme ça, mais je vais leur rouler sur la chatte. Oh! Sans froid et sans féroce. Chouette trophée! Preuve knock-knock, super trop vrai héros! C'est vrai. Ah là là, il est beau. Du coup, on va pouvoir vendre soin maternel et chaleur maternelle.
My skills are absolute. Alors voyons voir. Marque du gardien. Attends, oui, c'est vrai qu'il y a du matos à distribuer un peu. Une seconde. Qu'est-ce que tu as, ma belle? Arnois de bataille de maître et marque du gardien. Plus 5. Et 30 des résistances acides et résistées feu et froid. Lumière brûlante. Le problème, c'est que ça donne un gros malus d'armure, je trouve. Oh là 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 là, même si c'est une armure d'inquisitrice absolument sublime. Mais le harnois de maître de bataille, même s'il donne genre un point d'armure en moins, donne d'autres avantages. En plus, il est en mitral. Vous pensez que le mitral, c'est... Enfin, que cette armure, elle de mitral, elle est mieux par rapport à la marque du gardien? Quoique, attends, elle donne plus... Ouais, parce qu'on s'en fout de la mobilité sur Valérie, en fait. Hein. Ah, bah, va pour l'armure. Dommage, parce que je pensais que l'armure de maître de bataille était incroyable. Cuirasse d'au-delà, ça s'est vendu. Rapide nautique. Plus 5 au test de concentration. Aptitude au test d'éloquence. Ça pourrait être intéressant à garder, on ne sait jamais. Bon. On s'en fout des caracs. Ce qu'on veut, c'est le style, je suis d'accord. Masse d'armes lourde, éradicatrice à une main. Passion du bretteur, épée de duel. Ah. Bah écoute, je vais vendre la passion du bretteur, ainsi que le soin maternel et la chaleur maternelle. L'épée à deux mains part aussi. L'épée longue plus 3 part aussi. Hémorragie part aussi. Sombre forêt part aussi. Ovirban, on la garde. Épée courte de Nabo nul en toute cette merde. Voilà. Pour les armures, Arnois du maître de bataille, c'est vendu. Robe du criminel, je pourrais jamais la mettre de toute façon. Peut être portée que par Arnois loin et mollet. Non, si c'est vrai. Ça, elle pourrait être portée par moi, mais en vrai, on s'en bat les couilles. J'en ai bien peur. Hein. Cuirasse de l'au-delà, c'est pareil. Personne, ça n'intéresse personne. Écu béni. Volonté inflexible est juste mieux. Voilà. Robinette cuirasse plus 4. C'est vendu. Armure de cuir clouté plus 4. Armure de cuir plus 4. C'est vendu. Armure matelassée plus 4. On en garde une quand même. Patchwork de peau. On garde. De la merde, 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 de la merde. Chemise de maille, c'est de la merde. Crevisse plus 3, c'est de la merde. Chemise de maille inoxydable, c'est sympathique. On la garde. Le style est présent. Cap du chaman. Plus 5 au jet de sauvegarde. Waouh, très fort. Présence écrasante quand un magicien une fois par jour. Il augmente la réserve de ki de son porteur de 5. Ça peut être très intéressant pour Valkar, ça. Plus 3 à la CA. Bannissement par jour. Voile nocif. Résistance à l'acide. Furie enchaînée de Korgat, ce slip il est incroyable, mais le problème c'est que très sincèrement je m'en sers jamais, donc on va le vendre. Corde de l'ermite, plus 4 à sagesse et constitution. Parangon défenseur, pierre de puissance. Amulette brûlante. Pantif d'armure naturelle, c'est vendu. Ceinturon de force de géant, c'est vendu. Passe l'armure plus 4. Sceptre de vengeance flamboyante. Alors c'est très fort ça. Baguette de protection contre la mort, très fort aussi. Baguette de désespoir foudroyant, c'est vendu. Liberté de mouvement, pourquoi pas. Saint modéré en garde. Boule de feu, c'est vendu. Immobilisation de personne, c'est vendu. Guérison suprême, c'est gardé.
Voilà, tel que je suis là, je gagne 200 000 balles. Bouc. Alors. Cœur d'Ira. Alors, ça me rend immunisé à la fatigue. C'est le seul avantage de ça. Mais. Ça augmente le sort présent. Permet de lancer le présence écrasante. Et augmente également la réserve de ki de son porteur de 5. Vu que je vais devenir moine level 3, ça va être intéressant. Quatre à la force, dextérité et constitution. Cadeau de Tartuccio. Ah. Ma couronne, ça c'est garanti. Et ma cape. Si je prends la cape du chaman, ça devient une cape plus 5. Et qui permet de lancer le sort corps élémentaire 4. Oh, elle est rouge. Kino. Et du coup, cet anneau pierre puissance sert à rien. Quoi, garder la chevalière bénie, puis basta. Et est-ce qu'un anneau de protection normale marche? Non, il marche pas. Eh ben, anti-fatigue, ah, ça pourrait être intéressant. On lui met le collier anti-fatigue. Hop. Et c'est quoi ça? De l'armure arthuraise, KOG sauvegarde, poison, sommeil et paralysie. Très bien ça. Ça sert à rien. Ok, d'accord, et ça se fait quoi? 4 dextérité et charisme. Éclair. Ok. Give the order. Voilà, il sert à rien. Et Kundai revient. Un arc de froid et un dévoreur de métal, mais tu as aussi bénédiction de chasseur. 2d6 de plus aux créatures mauvaises. Cet arc donne un bonus de plus 4 à la dextérité, d'où Jésus. De toute façon, t'es limité par ton armure alors. Écoute, il l'a, c'est bien. I am your shield. Épée bâtarde de feu plus 1. Bon, t'as pas d'autre épée bâtarde, donc tant pis. Petite arbalète de foudre, ça te va très bien. Bracelet. Change rien, très bien. Dextérité à donf. Et ça, c'est distance. Non, c'est sort de rapidité améliorée, ok. Yes. Jubilost, ceinture dextérité et constitution. Ouais, mais si je te mets ça, tu peux avoir balancé 4 bombes supplémentaires par jour, mais tu commences à manquer de dextérité et de con, si tu veux. Si je...
brilliant ideas. J'ai rien de mieux pour lui, résistance du feu et à l'acide. Écoute, hein, pourquoi pas. Malheureusement pour lui, j'ai rien de mieux. Donc tant pis. Jaetal, qu'est-ce que tu portes? Tu portes allez, la cape d'héroïsme, bandeau de perfection mentale, très très bien ça. À notre chance, bracelet d'armure, ça change quelque chose? Non, rien du tout. Botte elfique, griffe de manticore, force de... ceinturon de force de géant, lol, attends. Attends, annule. Parce que ça te donnait combien? Plus 4, mais j'ai un anneau qui fait pareil, mais mieux. Pierre de puissance, plus 4 à la force. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne change rien à ta force. Tu as déjà un objet qui te donne plus 4. Plus 4 dextérité, ok. Plus 4 aux 3 stats finales, ok. Qu'est-ce qui te donne plus 3 en force? Plus 4 à la force. Les gants? Les gants lui donnent plus 4 à la force. Christ. Quiet, I'm thinking. Ask. Mais très bien en fait. Soutien divin. Et voilà. Octavia, bibiche, plus 5 érudition, dans du Léviathan, donc ça c'est la cape. On va parler baguette. Sceptre, voilà, qui te permet de lancer quintessence des sorts 5 fois par jour. Avec des levels 9, ce qui est quand même très fort. Baguette de boule de feu, rapidité, projectile magique et héroïsme. Avec le chêne brûlé et l'arbalète d'évasion, qui est une arbalète légère à deux mains. Rapidité de foudre plus 3. What troubles you? Voilà. What's the hold up? Donc t'avais été mignonne, mais tu as déjà le matos. Amiri, tu as toujours ton épée coup rapide à deux mains de foudre qui ressemble à Frostmourne, c'est très bien. Les gants qui te donnent plus de force, ça qui te donne plus de force. Les points... Ah oui, point amulette brûlante, c'est quoi ça? Registre feu, électricité, froid ou acide, ça donne plus 1 point de dégâts par délancé, c'est intéressant. Ça augmente de 4 le niveau des sorts lorsqu'un personnage lance arc brûlant, boule de feu contrôlée, colonne de feu, main brûlante, rayon ardent, rayon de feu inférieur, serpent de feu, tempête de feu. Allez bien. Est-ce qu'on a un autre lanceur de sortilège? Non, hein. Tant pis. Plus 2 aux chances d'initiative et de perception. Patchwork de peau tira très bien. Kalike, chemise de maille d'assassin. Constitution plus 6. 4 à la dextérité. Change rien. Anneau du colosse, plus 2 à la constitution. Et je crois que ça se cumule. Ouais, bien sale ça. Un autre chance. Sauvegarde, récap de résistance. Je viens d'avoir une idée démoniaque. Knack knack. Très bien. Discrétion. Du coup, cap de résistance. 10 à discrétion. Immunité, cécité, émoulissement. Boum. Plus 4 résistance au DMD. Ça fait plaisir. Pas d'armure parce que ça te rend... Quoi qu'attends l'armure, tu peux la porter sans que ça te gêne. Oui. Donc tu vas mettre... Non. Robe hypnotique. Non. Dommage. Et ça, ça te protège des attaques à distance. Ça, c'est le casque qui donne plus de dextre et tout le merdier derrière qui va bien. Ok. Harim, mon beau Harim, t'as pas de meilleure armure, des gants de duel ça te sert à rien, ces bracelets je sais pas ce qu'ils font, 2 à la CA, très bien, 7 anneaux, pierre de puissance, plus 4 en force, qu'est-ce qui donne la force, ça, ouais, donc tu vas mettre le 4 puissance et on va te trouver une meilleure chose, plus 4 à la sagesse et la constitution, qu'est-ce qui te donne de la sagesse, ça qui te donne de la sagesse, mais ça veut dire que tu peux mettre autre chose, et plus 4 de la sagesse, jugement, non. Belle allure, 4 charismes. Chapeau du professeur. Homme en écaille. Homme brillant. Vision claire. Parangon des défenseurs. Je pense qu'on va te donner le bandeau de belle allure de charisme. Ce qui va te donner plus d'invocations magiques du cul. Masse d'armes de lourde et de froid. Foudre et froid. Donc c'est vrai que ça fait mal. Et exécuteur. Tueur d'humains. Ça augmente les dégâts faits aux humains. Et ben vous allez mettre... Voilà, l'as d'armes l'une des fois, elle est très forte.
Voilà. Perdu dans mes pensées, qu'il dit. Baguette de soin modérée. Toujours gratuit. Véronicus, qu'est-ce que tu as ? 2 à la CA, 2 au jet de résistance, une résistance à la magie de 14. Intéressant. Résistance. 6 aux caractéristiques mentales nécessaires. Armure naturelle. Bracelet naturel. On n'a rien d'autre pour toi, Véronicus. De toute façon, tu es benché, mon ami. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements, par contre, Marc ? Robe du croque-mitaine. 2 test compensation, 5 minutes, chance de rien, d'acteur qui réussit. Wait. Knock, knock! Our time has come. Robe hypnotique pour un bonus à l'éloquence. Oh là là! Véronicus! Cette chemise du JDG. I'm quite a social person. Aegongar alias Magneto. Immunité à la peur, gardien de magie. Sinon, pour lui, j'ai rien d'autre. Hein. I yearn for entertainment. Permet de canaliser source d'énergie 2 fois le plus par jour. Très bien ça. D'accord. Paquet de restauration partielle. Ok. Bon, ben voilà. Time to act. Je crois qu'on est presque prêt. Boum. Ok. Croyez-le, croyez-le pas. Mais on est prêt. J'ai 400K. Allons-y. Alors.
Ah, il me faut un peu de poussière de diam si c'est possible. Là. I'll take care of it. My skills are absolute. I am never wrong. Okay. I'm always ready. Alors, nous avons Lindsay, Jubilost, le chien, Kalike, pas Canera, il faudra attendre que je la switch, et... Ekundayo! Est-ce que pour le tournoi c'est intéressant comme équilibre? On va pas emmener voir le Tristian voir le tournoi, il est aveugle, ça sert à rien. Raygongar et Octavia auront bien leur temps pour eux après tout. Arim va nous péter l'ambiance. Véronicus est un PNJ, Dobix aussi. Comment ça s'appelle? Knock Knock, bah ça sert à rien de l'emmener là-bas. Amiri pourra apprécier rien du tout. Et Jaetal. Jaetal est gentil. Mais ouais. Je pense que j'ai Amère Team. Hein. Je pense que j'ai Amère Team. Let's go. Il faut juste qu'on s'arrête à la première station service pour échanger. Pour échanger Canera avec Kalike. On va s'arrêter à Corbeau-Cloaque. On va faire escale là-bas. Ah! Comment ça s'appelle? Le téléporteur n'est pas prêt. Dans l'autre. Bon, on va passer une petite après-midi pour aller dans la ville d'à côté. Celui Van Jmiran là. Plus de problème. Oh là là, il est fier Valkar, on dirait Superman. Canera, tu m'as encore viré tout mon inventaire, mais c'est pas grave. Je te déteste pas. Ouais, ok.
C'est mieux. Bon. C'est le merdier, mais au moins, c'est là. Be on guard. I am yours to command. I wrote it like I saw it. Pas bien. Inspiration A, plus 4 jets de sauvegarde et esquive à la CA. Fort. Gros champ de défense. Très bien. It's time to act. Et ça, c'est quoi que je peux caster? Présence écrasante. Oh. La présence du personnage émerveille les créatures voisines. Si elles ratent leur jet de sauvegarde, elles tombent à genoux et se prosternent devant celui-ci en pensant s'incliner devant une présence divine. Les créatures sont recroquevillées pendant toute la durée du sort. Oh là 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 là. Et ça les rend chancelants quoi qu'il advienne. Même si elles résistent. Si elles résistent pas, elles perdent 1d6 de sagesse et de charisme. Et en plus, elle s'incline. Si elle résiste, elle se met pas à genoux, mais elle chancelle. Elle doute. Poder ! J'avoue. Bon. Eh ben, passons par la petite île de Rinsconde et allons au champ de Vive Lumière en espérant que ce soit là. Voilà, c'est là. Très bien. Tournoi de Pitax. Let's go. Papa et maman d'abord, les enfants ensuite. Papa et ses deux chiens, les enfants au milieu, tonton et tata derrière. Parfait. Et voilà, ça c'est une formation, ça, on aime. On aime. Wait. Merci Sharks. Sharks qui sauce. Je comprends pas pourquoi les lignes de skills sont reset comme ça. Moi non plus, c'est un bug. Mais Sharks qui sauce de fou. Aïe aïe aïe. La max. Rappelle-moi Sharks, dans quoi tu bosses? Parce que Pyrolaine, bon bah y a des rentiers qui bossent dans le mania du goudron si tu veux. Donc ça c'est un peu imbloquable. Non, l'asphalte. Donc ça c'est un peu imbloquable. On pénètre à Pitax. Par là, très bien, on y est. Est-ce qu'on est prêt pour le tournoi? Du coup, Sharks nous a pas dit dans quoi il bosse. C'est parce que tu joues à la manette, lol. Bien, il a une tête, c'est lui le roi Hirovetti. Attendez, j'ouvre ma fenêtre. Oh là 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 là, c'est lui Hirovetti. Et bah putain, et Lindsay qui m'en parlait mal, il m'a l'air base cet homme. Voyons voir. Castruccio Hirovetti. Le roi Hirovetti en personne vous accueille. Le corpulent Kélide a les épaules larges et semble avoisiner les 50 ans. Sa couronne dorée orne de cheveux longs gras qui entoure un visage lourdement fardé et couvert de poils épars. Ah.
Son pourpoint luxueux est orné de taches graisseuses et il s'esclave en vous étreignant de toute sa force. Et vous êtes assailli par un mélange olfactif détendant de sueur, de vin et de parfums de prix. Oh là 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 là! Well, my crown-bearing brother, welcome to my home. Stuff yourself, drink, be my guest. You've proven yourself in combat as well as affairs of state. Let's see how you do at having fun. Oh! Je n'en crois pas, messieurs. Les tentes multicolores, la musique, les sourires. Après toutes nos sinistres aventures, je rêvais de telles réjouissances en compagnie de mes amis. Forgive me for interfering into a conversation between illustrious persons. I just meant to inquire, how is my death sentence in absentia? When I inquired about it the last time, you still couldn't determine on the type of execution, honorable sir. Aha! Sir Northropple, of course, I remember. Well, today is a special day, and I think it would be acceptable to decorate it with a symbol of royal mercy. I officially grant you a pardon and cancel your sentence, but you know, between us, I decided on dismemberment. Oh, roi revêtu, mon cher ami, je pense que nous allons très bien nous entendre. Que diriez-vous de cette femme? Elle est d'extrêmement bonne qualité. Entre roi, monseigneur, chut, Valérie. Ah putain. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. It's no good for kings and queens to stay in our palaces all the time. We need to meet, be friends with one another. It's all about keeping up neighborly relations, you know. So here's the plan. First, the fishes triathlon. Then a boasting contest. And in the evening, the best part, a drunken melee. In the interim, there'll be a buffet, a fair, jugglers, acrobats, all the usual entertainment. And after the melee, I'll announce the winner. And then we'll have a festive banquet and a fireworks show. Then we just drink till morning or find a tent to crawl into. Your own or someone else's, depending on your luck. By the way, a knockout such as yourself will always be welcome in my tent. Just joking. Just a joke. Cet homme est mon héros. Ah, je vais devoir le tuer, mais quelle tristesse. Oh, and one more thing. I'll have to seal your sheath. This is a peaceful celebration, after all, and bullies will be kicked out immediately. It doesn't matter if it's a king who decided to kick up a row or just a shopkeeper. So behave yourself and don't start any fights while you're here. Oh là 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 là, mais so fucking based quoi. So fucking based. Putain, la qualité de cet homme. Although I wouldn't mind bearing my sword for such a luxurious sheath. Oh la vache. Oh, c'est difficile. C'est difficile. Écoute, on le modifiera par mode par la suite. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Je ne tolérerai rien d'autre à mes côtés. Un instant, vous pensez que Valérie va vous gifler. À la place, elle s'écarte légèrement de vous. Well, I have to go. If you need anything, talk to Nunzio or Pia.
He's my master of ceremonies, so he's responsible for organizing this mess. Have fun. Oh putain! Alors, attendez, du coup. Laissez-moi réparer Valérie avant qu'elle fasse un caca nerveux. Les disques que j'ai perdus et les disques que j'ai gagnés. Voilà. I'm there. Alors, du coup, ils ont dit pas d'armes. What's new? Just letting the ink dry. I can help. C'est bien fait de prendre Calliquet. C'est bien fait de prendre le chien. Alors, cette robe me donne beaucoup de bonus, machin, et tout, mais est-ce que j'ai la robe? Ah non, qui a la robe de blabla? Oh non! Oh non! Bon, tant pis. J'avais la robe qui me donne plus de bonus d'éloquence. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Non mais faudra espérer que ça passe. Hein. T'as besoin de ta stat de persuasion. Ouais, mais elle est sur Véronicus. Ah putain. Excusez-moi. J'aurais peut-être dû te prévenir avant. Plutôt que de me répéter 1000 fois que le tournoi était urgent alors que j'étais en train de m'y rendre, oui. Tant pis. Ah non, mais... Oh la vache, Hirovetti, quoi. Putain, pourquoi j'ai écouté... Quand ça, on est Lindsay au tournoi de Vinfini. Question du barde. Pourquoi la quête, elle est ratée? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, ça est toujours ok. Tu pouvais pas partir, mais j'ai chargé la sauvegarde, ni. Oh la vache. Si tu lui trouves et il revêtit. Perso, il m'a mis sur les nerfs dès que je l'ai vu. Mais il est based. Le mec, il se ramène. Oh là 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 là. Il se refuse rien. Oh, il revêtit, j'en suis tombé amoureux. C'est le ugly fat guy, mais direct. Robin Nautique, plus 5, bonus d'aptitude, geste de l'occurrence. Ok, très bien. Est-ce qu'on a mieux? Intelligence, sagesse et charisme. Non, j'ai déjà ça.
Christian, qu'est-ce que tu avais sur toi? Tu avais un truc. Constitution. Les gars. Test d'érudition. Mystère, non. J'avais pas d'autres trucs qui faisaient du charisme aussi? J'avais pas un autre objet qui faisait de l'éloquence aussi, si je m'abuse? +4 à la dextérité. Non, lui, il a le truc du croque-mitaine. I'll take care of it. Oh là là, cet habit de fête! Mais le cadeau de Tartuccio aussi. C'est tout ce que j'avais côté charisme? Enfin, il me semblait que. Ouais. La couronne me donne combien en charisme? Plus 6 au charisme, ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. My skills are absolute. Ouais, j'aurais qu'à m'équiper avec. Qui a des sortilèges avec nous? Lindsay, non. Jubilost. Jubilost, il peut choisir ses sorts. Grimoire. Héroïsme. On a déjà héroïsme de toute façon. On a plein de potions d'héroïsme. Mais Lindsay est la maximum héroïsme. Parfait. We should move. Let's go. Non mais imbloquable. Hirovetti quoi. Oh putain. Hirovetti alias Mr. Holy Based. Switch. Zap. Eh, ça se permet de lancer boum, merci, ok. I'm there. Hirovetti, quoi. Bon, ce coup-ci, je vais défendre Valérie pour gagner du temps, mais. Mais poids, quoi! Le respect qu'il m'a mis! Oh là là, cet homme! Voilà, mais regarde-le, le charisme. Heureusement que j'ai pas vu son portrait avant, hein, parce que sans déconner, quand je suis devenu roi dans le jeu, j'aurais changé ce portrait pour celui-là. En plus, c'est presque la même tête. Hein.
Well, oh, no, my crown-bearing brother, welcome to my home. Forgive... Aha! Et rien que cette phrase. Of course, I remember. Well, today is a special day, and I think it will be acceptable to decorate it with a symbol of royal mercy. I officially grant you a pardon and cancel your sentence, but you know, between us, I decided on dismemberment. Regarde ça! Et donc, vous allez m'exécuter? Oh non! Allez, t'es pardonné! Mais si ça tenait qu'à moi, je t'aurais écartelé. Va boire. Oh là là là. Imbloquable. Irrovetti. Un plaisir de vous rencontrer enfin. It's no good for kings and queens to stay in our palaces all the time. So here's... Oh! Although I wouldn't mind baring my sword for such a luxurious sheath. Yoviti! Of course! Such a pretty flower has already been picked, hasn't it? Who knows who will enjoy these plump buds in the future? Plump buds. Mais ce gars, le chat de peau d'air. Mais heureusement que je me suis équipé du truc à charisme parce que fou. Et Kundayo sort le ventilateur et sèche Lindsay. Je peux la sentir d'ici, frère. I assure you, your highness, it won't be you. Oh là 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 là. Well, I have to go. If you need anything, talk to Nunzio Arpaia. He's my master of ceremonies, so he's responsible for organizing this mess. Have fun. Le Virgin Valkar versus le Chad Iroveti. Mais c'est dur, hein. C'est dur, hein. Fou. Oh. Oh. Putain, j'aurais dû lui offrir Véronicus, hein. Alors, le fait qu'il ait tenté de m'assassiner, c'est censé être un plot point. Je vais être très sincère avec vous, ça me choque pas plus que ça. C'est un roi, je suis un roi voisin. C'est de bonne guerre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Par contre, là, il m'a invité à sa table. S'il tente un assassinat maintenant, là, ça va être mal vu. Là, ça va être très 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 mal vu. Là, ça pardonnera pas, si tu veux. Mais sinon, c'est honnête. Je viens avec un de mon conseiller financier qui est condamné à mort dans le pays. Et donc, en fait, la dernière fois, vous vouliez me faire bouillir ou vous vouliez me faire couper la tête? L'écartèlement. Mes jours de fête, vous êtes pardonnés. Bah les couilles! Et il a réussi à faire sentir comment ça s'appelle? Il a réussi à faire sentir à notre ami Jubilost que son pardon, c'était l'équivalent de se faire pisser dessus. Ah, ma tonique est devenue un peu plus stylée. Très bien. Vous avez entendu la dame. Rangez vos armes. Range tes armes, j'ai dit. Trop d'armes. Oh là 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 là, Chad Saber. Bon. Explosion des poudres. Taking so long. It
I'm open to your orders. You require my assistance? Ona Adayana. Ona Adayana. Good. I'll take care of it. We should move. Voilà. There we go. It's time to act. I do what I must. Edna Aldori, Julia Aldori, qui sont ces gens? Je veux parler à tout le monde, allons-y. Un plaisir de vous rencontrer, votre Altesse. Félicitations pour votre couronnement. Quel dommage que votre partie de chasse est si mal tournée. J'ose espérer qu'il ne s'agira pas de la dernière. Prends le vin. Prends tout. I'm there. Gardien de Pitax. Négociant. Des épées, armures, acier du Mivon. Vous remarquez que Valérie dévore des yeux l'une des épées du marchand. Son regard pétille d'une excitation presque enfantine. Elle est tellement fascinée qu'elle semble pas capable de passer à autre chose. Valérie, vous voyez quelque chose d'intéressant? Rien de spécial, c'est juste que... Vous voyez le poinçon sur cette lame? C'est celui du maître qui fournissait les épées d'entraînement utilisées par mon premier professeur d'escrime. La toute première arme que j'ai tenue en main portait cette marque. J'oublierai jamais ce symbole de ma vie. Et pour autant, je pensais pas le revoir un jour. Alors je veux figer ce sourire sur vos lèvres. Je vous remercie, mais c'est inutile. Le forgeron n'apprécie pas que son ouvrage prenne la poussière alors qu'il peut encore rendre de bons et loyaux services. J'étais juste heureuse de me remémorer tout cela et d'avoir la chance de partager ces souvenirs avec vous. Notez que ça m'arrive bien rarement, et sans doute uniquement avec vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Achète tout! Très bien. Mais c'est trop cher. Alors, prix. Déjà, voyons voir. Sombre forêt, j'en ai déjà une, c'est de la merde. En deuil, c'est une lance, on s'en fout. Marteau du chaos, on s'en fout. Feu de rapidité, bâton plus 4. Un feu de bâton de kung-fu, pas mal. Choc cimetière. Oh! Ça, pour Régongar, ce serait garanti. Fantaisie, arc court, composite. Ah, ça peut lancer fou rire, lol. Ah, ce serait bien ça pour la petite. Regarde, tous les marchands vont d'acheter. Brise vertèbre, non. Épée à deux mains plus 4, non. Épée longue, non. Épée double, non. Épée duel plus 4, oh non plus. Épée courte, épée bâtard, dure gauche nain, tongi, rapière, pique, nunchaku, piolet, lance, koukri, kama, hachette, blablabla. Très bien. Même si les arbalètes lourdes et légères seraient intéressantes, mais déjà je pense que honnêtement. Choc et fantaisie m'intéressent. Ensuite, Arnois en adamantium. C'est pas mal, mais c'est de la merde. Il y a une réduction de 3 de dégâts, mais bof. Arnois plus 4, j'avais déjà ça. Rondache, non. Pavois, targe. Et c'est tout. Donc ici, il n'y a que 2 objets. C'est moi ou c'est giga cher? C'est parce que t'es giga pauvre. Un homme s'approche de vous en titubant, son pourpoint hors du prix souillé de taches de vin. Il frôle votre épaule en passant et commence à s'égosiller, l'air nul d'alcool. Faites gaffe, vous prenez pour qui, espèce de pourceau? Mais marchez sur mon pied, bousillez mon pourpoint, j'exige réparation! Et Kundayo, punk! Pas mal ça. Dites-moi, ne serait-ce pas Ahmed Belvara que j'aperçois et qui vous appelle? Comment? Ah, mais tant mieux, ma joie, bon soleil, j'arrive tout de suite! Follow if you dare. Bien.
Faites voir vos marchandises. Anneau de protection plus 4, ok. Anneau de circonstance. Ça a l'air craqué. Non, 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 mais Caper, en fait, c'est un truc que tu peux choisir ici. En fait, tu peux choisir. Tu choisis soit t'as plus de la force, soit t'as plus de la dex, soit plus de la con, soit plus de l'intelligence, soit plus 2 à la sagesse, soit plus 2 à charisme. Soit plus 5 de déplacement, soit plus 1 à la CA. C'est pas si bien, en fait. C'est bien, mais ça l'est pas. Oh! Ça permet de lancer des sorts de niveau 1, 2 et 3 comme s'ils étaient affectés par les dons extension de durée, extension d'effet. C'est intéressant, mais c'est nul. Cap d'accusateur, plus 4 à la CA, c'est cool. Plus 4 au test d'éloquence, ça c'est bien. Cap de l'absolution, plus 4 au test d'éloquence tout court. Ne peut être porté que par un personnage bon. Amulette d'armure naturelle pétée, cap de résistance max. Ceinture del perfection physique. Tu peux avoir 4 buffs en même temps. Ah, attends. Non, ça disait pas ça. Ça disait... Non. Ah si. Jusqu'à 4. Oh là là, c'est craqué. Bandon de perfection mentale. Ceinture de perfection physique. Mais je crois qu'on va cheat engine. Hein. On va se fournir, frère. Les yeux jaunes injectés de sang du gnome passent nerveusement tous les visages présents en revue. En vous apercevant, il saisit son fourreau au saut toujours intact. Quoi? Vous êtes qui? Ah, c'est vous, votre Altesse. Pardonnez-moi, je vous remettais pas. C'est un honneur, sincèrement. Un honneur incroyable. Je suis Karn Viril, un commerçant. Meurs, espèce de crapu. Qui me recommanderiez-vous de rencontrer ici? Personne, tout le monde. Quelle chance c'est, moi. Foutez-moi la paix. Qui êtes-vous? Je vous dis, je suis personne. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Du poisson, cette merde. Adieu. Eh ben, c'est ça. I'm there. Super. I am never wrong. Le chemin et la gloire rayonnante. Un marchand gobelin. Ah, aventurier, regardez, offre-moi. Produit nouveau, dans sac nouveau, tout bon, tout neuf. Seulement moi, vieux, pas possible de faire mieux, hein. Bah, qu'est-ce que vous faites ici? Vous savoir? Non, vous, vendeurs, suivre grande foire. Personne appelez-nous, nous venir ou acheteurs être. Nous, capitalistes. Très bien. Oh, ils vendent des trucs de merde. Ils ont du matos tout con. Oh, attends, fais voir. J'ai peut-être parlé trop vite. Alors, chemise de maille étincelante, oui. Côte d'os, non. Toucher de charron. Mise à mal et simulacre de vie. Homme du fanal. Cap du lion. Ça c'est pour les paladins. Griffe du lion, Falcata. Amulette de la sagesse mourante. Intéressant ça, je vais le prendre je pense. Veste du bouffon. Parce qu'on veut lui acheter un truc. Allez. Voilà. I'm off. Ah oui, au fait. Voilà, qu'on n'ait pas de problème par la suite. On en est où, Valérie? Vous êtes où? Attends, ben, très bien. Voilà. Pour être sûr de rien rater. Ok. C'est un coup des pirates. Pourquoi le roi reste les bras en prêt? C'est pirates, c'est la plaie de Pitax. Plusieurs travailleurs indignés se sont attroupés autour d'un demi-elfe élégamment vêtu qui irradie dignité et autorité. C'est comme on vous dit, juge, ça fait la troisième cargaison en deux mois qu'ils nous volent. Ça peut plus continuer comme ça. Les bénéfices de l'année dernière, c'est de l'histoire ancienne. Pas de cargaison, ça veut dire pas de paix. Sans paix, y en a plus d'autres. C'est pas la première fois qu'on vient se plaindre, mais rien ne change. Elle est où la justice royale?
Il est vrai que des pirates campent au nord de la rivière Pitax. Ils ont certes attaqué plusieurs convois qui se dirigeaient en amont. Le roi... Ah, le roi Iroveti va régler ce problème au plus vite. Toutefois, il ne recevra aucune doléance officielle avant la fin du tournée du Ville Lumière. En attendant, il recommande à tous les voyageurs de rester particulièrement prudents aux alentours de petites villes. D'ici là, prenez part aux festivités et profitez de la générosité du roi. Si l'une d'entre, si l'un d'entre vous a encore une question ou une remarque, je reste à votre disposition. Que les lois du roi encadrent vos actions lors du tournoi de Ville Lumière d'aujourd'hui. J'ai visiblement affaire à un gentilhomme, mais je ne crois pas que nous ayons déjà été présentés. Je suis l'honorable Walsh Selwaway, magistrat à la cour de Pitax, juge des troubles publics et grand exécuteur de la justice du roi. J'ai cru vous entendre parler de vol de cargaison. Il y a un problème? Ah, en effet. Une vague d'attaques de pirates sur la rivière provoque quelques remous. Je vous recommande simplement d'éviter la région de Petite Ville ou, à défaut, de rester sur vos gardes. Pitax aurait peut-être à gagner à voir l'intervention d'un héros connu pour être le fléau des brigands. Que cela soit bien clair, les troupes de Pitax sont tout à fait en mesure de maîtriser ces criminels. Nous n'avons nul besoin de l'aide de prétendus héros ou d'aspirants justiciers ou encore moins de l'intervention d'une puissance étrangère. Je vous recommande de profiter du festival. Comment peut-il rester sourd à ce point au malheur des gens et il ose se prétendre juge? Je peux comprendre sa réticence à laisser des étrangers se mêler des affaires de son royaume. Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est ce flagrant déni de justice et ce mépris pour la sécurité de ses sujets. Bien le bonjour. I'm there. Non, moi je comprends. Il y a autre chose à faire. My skills are absolute. Follow if you dare. Moi j'explore la map. Hein. Applause, please. We should move. I wrote it like I saw it. Baguette de flou, grosse valeur. Roi en métal céleste. Oh. Quiet, I'm thinking. It's time to act. Let's go! I do what I must. Eh, n'a rien à faire là, c'est le campement de son Altesse Iroveti. Je suis au courant, c'est lui qui m'a invité à le rejoindre. On a pour ordre de laisser entrer personne. J'ai dû me perdre. C'est ça. C'est rien à faire de là. Ok, ok, je me suis perdu. I'm there. I am never wrong. Taxe le fromage. I'll take care of it. Nuncio à Parama. Attendez, adieu. Interesting. Interesting. La quête d'électrie. We should move. Bon. Israël Kales. Kales. Tu le sors de portail pour passer. Ouais, non, mais bien sûr, mais pour l'instant, non. Un elfe en armure de cuir parcourt la foule d'un regard intense. Votre Altesse, bienvenue au Pitax. Israël Kaelis, capitaine de la garde à votre service. Vous ne semblez pas apprécier la fête. C'est que la fête est à votre attention, monseigneur. Je pensais que Pitax était une ville dénuée de loi. D'où vient cette garde? Même les pirates suivent certaines règles. D'ailleurs, il faut bien que quelqu'un le tienne en respect.
Hiroveti semble tenir la ville d'une main de fer. Oui, les maisons marchandes le détestent, bien entendu, mais il détient les otages. Ensuite, si les familles redoutent toutes d'agir seules, elles sont incapables d'œuvrer de concert. Gaspierre, Lacianzar, a tenté de rallier les autres à sa cause, mais en vain. C'est peut-être mieux ainsi, si je peux m'exprimer en franchement. On n'a pas besoin de voir la violence endeuiller nos rues. Hiroveti n'est pas exempte de reproches, mais au moins il s'est emparé du trône sans provoquer un pain de sang. Qui me recommandez-vous d'attaquer ici? Enfin, de rencontrer ici. Tout dépend du but de votre visite. Adieu. Faites attention. Très bien. Ah tiens, Zinmerga, je crois que c'est le preneur de Paris. Approchez, messieurs. Mysteriado. Oh, mais ça a l'air ouf, cet endroit. Non, mais ce tournoi, en général, il a l'air fou, hein. My skills are absolute. Time to act. I'm off. I'm there. Oh. Aymar Deschamps. Ok, au milieu du festivité, vous apercez deux hommes en train de discuter avec Quentin, mais à voix basse. Il y en a un qui porte des vêtements bigarrés et l'autre arbore l'armure d'acier et la cape rouge de la garde de Pitax. Difficile de savoir de quoi il parle. Perception tambre l'oreille de loin, discrétion s'approcher discrètement. Perception. Bien que les deux se tiennent proches l'un de l'autre, leur voix couvre par moments la musique et les rires ambiants. Je ne sais pas vraiment ce que tu mijotes, Aymar, mais je connais ce regard. T'as une idée derrière la tête, une idée qui implique de prendre des risques. C'est pas le moment, tu sais qu'il est beaucoup plus strict désormais. Regarde autour de toi, Talwin. Ces célébrations, une mascarade, du sang et des jeux jetés en pâture à la foule pour lui faire oublier ses émois. Une farce grotesque que nous aidons tous deux à mettre en scène. Certes, ce n'est pas l'avenir que nous avions envisagé, mais c'est celui que le destin nous a offert. On va rester les bras croisés. Tu sais avec quelle sévérité la justice est appliquée ces temps-ci. J'en ai moi-même été témoin. Et je serais dévasté de voir d'honnêtes gens pleins de nobles intentions se mettre dans le pétrin, surtout toi. J'apprécie ta sollicitude, vraiment. Mais ce dont Pitax a besoin en ce moment, c'est d'action. Et j'entends bien agir. Ce n'est pas si souvent que la vie se prend à ressembler à une pièce de théâtre. Votre Altesse, se pourrait-il que les héros dont le peuple a tant besoin soient enfin arrivés? L'héroïsme, c'est tout à fait nous, ça. Vous voyez ce symbole sur sa tenue, il est membre de la troupe du théâtre du Croissant Rouge de Pitax. Autant dire un collègue. Imaginez les histoires qu'on pourrait écrire à quatre mains. À qui parliez-vous à l'instant? Au sergent Talwin Almarion de la garde pitaxienne. D'accord. Je ne suis pas avare de mon aide, mais la plupart de ceux qui la supplient ont la décence de commencer par se présenter. Et où avais-je la tête? Je suis Aymar Deschamps, dramaturge et comédien. Je suis venu m'installer ici pour répondre à l'appel du roi Hiroveti qui souhaitait développer les arts théâtraux. J'ai l'impression que vous vous connaissez plutôt bien, je me trompe? C'est mon mari, en effet, ce qui ne m'incite sans doute pas à l'objectivité. Il est très protecteur envers moi, et à Pitax, cela veut dire qu'il m'incite à ne pas me faire remarquer, comme à éviter de critiquer le roi. Pour autant, je n'ai pas la force de rester les bras croisés plus longtemps. J'apprécierais vraiment que vous me veniez en aide. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis arrivé il y a 5 ans pour répondre à l'invitation du roi Hiroveti. Blablabla, blablabla, il voulait des théâtres et des écoles. Et Hiroveti a échoué, la rivière Pitax, badabada, les pirates sont conscients, ils attaquent nos troupes et ils renforcent rien du tout, il y a des vandales sans foi ni loi, le théâtre ne marche pas. Dites-moi, j'ai déduit où était le camp approximatif des pirates, tendez-leur une embuscade et pétez-leur la chatte. Je suis toujours... Attends, avant d'accepter, j'ai quelques questions. Très bien. De combien on parle de pirates ? Dizaines, ok. Pourquoi Talwin est contre? Ah, ça diminuerait l'autorité d'Hiroveti. Votre roi ne cherche pas à neutraliser ses pirates? C'est une bonne question. Très bien. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Il est de notoriété publique que les artistes ne roulent pas sur l'or. Je peux vous aider à gagner les faveurs du public. Oh, je suis prêt à leur régler leur compte. Affaiblir des puissances étrangères en aidant leur population afin d'annexer plus facilement l'endroit, fantastique. Très bien. Il me donne même un aperçu, les larmes célestes. Les larmes célestes. Fort aimable. Je pense pas avoir fait une connerie, sincèrement. Sauvegarde rapide.
J'ai accepté la quête et en tuant les pirates, je vais affaiblir l'autorité du roi qui n'aura pas réglé le problème lui-même. Ayant moi-même réglé le problème, ça va mettre qu'en exerce son incapacité à gouverner. Ce qui ne peut que me servir. Concours de crochetage. Pourrais acheter toutes les cellules utilisées lors du concours et bien d'autres. Après. Follow if you dare. I'll take care of it. Un autre négociant. Montrez-moi. Parchemin heurte de pierre, domination universelle, esprit impénétrable, présence écrasante. Mort, convocation de monstre maximal. Vouivre lapis-lazuli. Permet d'invoquer un dragon. Ça, c'est mon skill. Diadème cinétique supérieur. Sceptre métamagique, mais je m'en bats les couilles. Les parchemins, par contre, ont une grosse valeur. Les armures de mage, on s'en fout. In due time. Voilà, en ayant fait ça, j'ai révélé l'entièreté du tournoi à part le camp du roi Iroveti. Je reconnais, c'est le seul point faible de mon plan. Cependant, I'm off. I'm always ready. Bon, eh ben on va se donner un peu d'argent, quitte à faire quelques emprunts. Selon les intérêts de la banque, c'est 0%. Vous ne pouvez pas décider des intérêts de la banque, Valkar. En leur intérêt, ils n'ont pas intérêt à m'en mettre un seul. L'écartèlement, ça vous parle? Beaucoup trop, Valkar. Give me the money, here we go, go, go. Here comes the money. Money, 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 money. Da 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 da. Bling bling. Voilà. Bling bling blam blam bagayaga. Petite inflation. Shitanshin Gobre. Montrez-moi vos marchandises. Alors voyons voir ce qu'on peut ramener en cadeau d'anniversaire à notre cher Aigongar. Choc, c'est garanti. Fantaisie, c'est une excellente idée. Arnaud en adamantium. Je suis pas persuadé que Valérie, elle serait bien dans l'adamantium. Épée à deux mains plus 4, ça ferait pas de mal. Épée longue non plus, mais épée de duel, épée courte, épée bataille, Nugot, Kongi, Serp, Saïr, Akir. Nunchaku plus 4, c'est lol. Et tout le reste, c'est du plus 4, donc tout le monde s'en bat franchement les couilles. Très bien. Pour les armures, rien d'intéressant, malheureusement, il n'a rien d'autre. Ok. 85 000 dollars. C'est vendu. Merci. In due time. Bonjour. Montrez-moi le marchandise. Anneau de protection plus 4. Ça, c'est chier. Anneau de circonstance. Ça, c'est fort. Ça, c'est incroyable. Ceinture de composants parfaits supérieurs. Ça, par contre, c'est nul. Cape de l'accusateur et cape de l'absolution. Ça, ça a l'air fou aussi. 4 ACA, 4 hôtesses d'éloquence. Amulette d'armure naturelle, des capes. Ceinture d'elle perfection physique, elle bandeau mental. Voilà, là. Prenez tout. Putain, j'ai pas assez de sous. Plus de pognon. Brrr. 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 Allons-y. Toujours pas assez de fric.
It's time to act. Je suis roi, tout est à moi. Follow if you dare. Lui, je sais pas ce qu'il vend, mais il ne vend rien. Ah. Salutations, Votre Altesse. Je suis Atalia Gitaren, directrice de l'Académie des Grands Arts. Bienvenue au tournoi. C'est votre première participation au festival. En tout état, je suis vos exploits au royaume Valcardie avec admiration. Vous imaginez, ces étendues encore sauvages, il y a peu, connaissent maintenant la civilisation. Bravo. Ah, bye, école et professeur. Lindsay a des nouvelles qui vous intéresseront. Oui, le professeur Eobald a trouvé refuge dans notre capitale. Et vous savez quoi? Il écrit ses mémoires. Plus exactement, il consigne sur le Vénin tout ce qu'a vécu à l'académie. Je parie que tous les habitants de Bitax, nom de tout l'Avistan, dévoreront son ouvrage avec enthousiasme. Un livre, vous dites? Comme c'est courageux. J'espère qu'il n'oubliera pas de se pencher sur les circonstances de son renvoi. Quelles circonstances? Que voulez-vous dire? Irovetir a envoyé le professeur Eobald parce qu'il était trop intelligent, non? C'est là, j'en suis certaine, la version des faits qu'il vous a offerte. Après tout, il n'était pas surnommé le perspicace pour rien. Pardonnez-moi, je ne souhaite pas m'étendre davantage sur le sujet. Si vous aimez les ragots, vous trouvez sans doute meilleure compagnie au festival. Je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler. Ouh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché la chatte à qui? À qui il a touché la chatte? Oh, Valcar, le célèbre baron. Ah, pardonnez-moi, vous portez la couronne désormais. Votre Altesse, quel plaisir de vous voir. Ah non, pardon. Attends, c'est un barde. Une célèbre, c'est bon. Dame Bellavara, vous vous souvenez de moi? Lindsay, évidemment, je ne vous ai pas oublié. Comment ne pas se souvenir de vos sottises à cet examen de poésie? Il paraît que vous possédez maintenant votre propre maison d'édition. Je ne vous pensais pas capable d'une telle entreprise, mais je suis ravi que vous ayez trouvé votre voie. Dites-moi, les chansons que vous composez pour Irovetti sont-elles aussi audacieuses que celles que vous chantiez dans ma capitale? Mes humbles vers vous ont-ils offensé à ce point que vous en pleurez encore le mordant? Voyez, Votre Altesse, il n'est pas séant pour une personne de votre rang de s'irriter contre une barde insignifiante. Vous devez connaître le vieux proverbe, l'argent c'est le nerf de la guerre, et de la chanson. Et la torture, ça vient de la main de fer et du tison. Enfin. Vous m'avez tout l'air d'une espionne! Préparez-vous à mourir! Une espionne? Dans un pays voisin, seigneur? Attaquez! Tuez-les tous! Lindsay voulait vous poser une question. Ah, j'espère qu'elle ne porte pas sur les cours que je dispensais à l'académie, mais allez-y, je vous écoute. Ah, excusez-moi, mais je tiens vraiment à connaître la vérité. Pourquoi Irovetti a envoyé le professeur Eobald de l'académie? C'est vrai, il est venu s'installer dans votre royaume, n'est-ce pas? J'aimerais bien savoir comment il s'est justifié. Je parie qu'il a rédigé un poème en 6 strophes dépeignant l'histoire d'un tyran chassant un pauvre, mais ô combien honnête et érudit, dont le seul crime est d'avoir dit la vérité. La réalité est plus banale, ce n'est pas Irovetti qui a envoyé Eobald, mais Atalia, je dois le concéder, elle avait eu raison. Qu'entends-je? Cet érudit respecté, l'auteur de si nombreux ouvrages, articles et manuscrits, aurait menti. Impensable! C'est impossible! Pourquoi Atalia aurait-elle renvoyé Eobald? Eh bien, Eobald est un enseignant brillant, c'est certain, mais il s'intéresse plus aux résultats académiques de ses protégés qu'à leur activité extrascolaire. Pourquoi s'inquiéter s'ils volent un pendentif ici et là ou qu'ils rossent quelqu'un à l'occasion, tant que leurs poèmes et compositions sont exemplaires? Tout cela a mené à un drame prévisible, mais non moins tragique. En voulant faire une simple farce de plus, Alondi, l'un de ses favoris, a provoqué la mort d'un innocent. Il s'agit de toute évidence d'un accident, ces jeunes ont sous-estimé leur force.
Atalia a expulsé toute cette vilaine clique et comme toujours, Eobald est monté au créneau pour défendre ses protégés, pour découvrir cette fois que la patience d'Atalia avait des limites. Elle l'a accusé d'avoir laissé ses troubles fectes agir à leur guise, simplement car elle souhaitait pouvoir quitter l'académie à leur côté. Elle a affirmé qu'elle ne tolérerait dorénavant plus aucun harcèlement de ce genre, même venant d'étudiants prodiges. De la part d'Atalia Jitaren, la déclaration est parfaitement improbable, c'est vrai, et pourtant je n'invente rien. Ah! Valkar. Lindsay. Valkar. C'est Sire. Valkar. Bon, ça passe. Il va falloir que j'arrache les 359 dernières pages que j'ai écrites avec ce gros dégueulasse, n'est-ce pas? Bon, eh ben je vais tout recommencer. Un instant. Si Iroveti n'a pas banni Eobald, pourquoi lui a-t-il envoyé ses assassins? Il avait envisagé de le faire revenir le vieil homme à Pitax et de pousser Atalia à lui redonner son poste à l'académie, faute de quoi il a au moins voulu l'empêcher de vous rejoindre. Et au bal de perspicace a une certaine notoriété. Iroviti préfère de toute évidence le savoir à son service qu'à celui d'un autre. Et pourquoi Atalia souhaite-t-elle taire les circonstances du renvoi d'Eobald? Elle n'aime pas discuter de des affaires internes de l'académie derrière la façade lisse de l'édifice. Il s'est passé bien trop de choses au fil des ans. Merci de nous avoir dit la vérité. Je ne suis pas sûr que vous devriez me remercier. Je vois bien que la pauvre Lindsay aurait préféré ne rien savoir. Allons, ma belle, ressaisissez-vous. Dans notre métier, accumuler les déceptions a presque une nécessité professionnelle. Je retire tout ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas une mauvaise barde. Ce qui signifie que le spectacle doit continuer. Merci. Je rentre au quétrible. Là-bas, on s'en bat les couilles. Parlez-moi de vous. Parlez-moi du tournoi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'Iroveti? Qu'on l'aime ou non, il s'agit indéniablement d'un grand homme. Avant lui, Pitax était la cité de l'ennui. Oh. D'accord. Certains peuvent avancer que le roi Iroveti n'est pas amateur d'art, en effet. C'est que le succès engendre son lot de médisants, toujours prêt à répandre les pires rumeurs. Si vous saviez ce que l'on dit de moi, n'y prêtez pas attention. Notre roi est un homme de goût qui apprécie toutes les formes d'art. En l'occurrence, il est aussi chanteur incomparable, chasseur émérite et cavalier accompli, sans compter sa capacité à préparer de délicieuses pâtisseries tout en jonglant avec des dagues acérées. Je vous en prie, ma chère, si vous lui destinez une carrière de... si vous vous destinez une carrière de flagorneuse, apprenez au moins à faire preuve d'imagination. Ah, la propagande! Le roi a-t-il des ennemis? Bien entendu. Bon. Très bien. J'arrive pas à croire, le professeur m'a menti. Je découvrirai la vérité dès qu'on sera rentré à la capitale. Il a déçu ma petite, ça va chier. Hein. Oh, un nouveau venu au festival, ravi de faire votre connaissance. Je suis Drey Yarn, grand prêtre de Kalistria à votre disposition. Ah, Kalistria est la déesse de la vengeance. Je suis certain que nombre de ses fidèles mentionnent le nom d'Irovetine dans leurs prières, et pas toujours pour lui souhaiter une vie longue et prospère. Vous êtes bien au fait des subtilités des mondes politiques et spirituels. Blablabla, 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 blablabla. Bla bla. Voyez-vous, la déesse plébiscite l'amour charnel, mais seulement s'il est offert volontairement. Il m'est parfois difficile de protéger les jeunes prêtres et prêtresses des attentions royales non sollicitées. Je crains d'imaginer ce que doivent endurer notre magnifique Anamed ou Atalia Jitaren. On dit que le roi considère souvent l'académie comme son terrain de chasse personnel. Mais cet homme! Jésus! C'est taper l'équivalent de Dumbledore! La chanteuse, Dumbledore, Triss Merigold, Yennefer... La barde dans The Witcher qui perd sa voix... Le nain... Il a humilié Lindsay et traité Valérie comme un objet. Mais cet homme! Priscilla, Bob, tu crois qu'il se souvient de son nom? Le mec, il s'est tapé McGonagall!
McGonagall qui était là, non quand même, vous allez trop loin, vous êtes expulsé de l'académie parce que vous avez fait des farces, ah là là, c'est trop. Et le roi, il arrive. Book. Avada Kedavra. Meeting pressé. Incroyable. Putain. Oh. Oh la vache. Pouh. Ah mais c'est le mec, mais il revêtit quoi. C'est le ugly fat guy. Toutes les femmes qui le sniffent trouvent qu'elle pue. Mais au bout de 6 pages, elles sont là. I can't get enough of this smell. Putain, il revêtit. Oh là 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 là. Ah non, mais... Il revêtit, quoi. Pouah. Ah non, mais voilà, j'ai passé tout mon jeu à être loyal mauvais, si tu veux. Mais il revêtit, il est venu, en 3 minutes, il m'a cassé ma game. Oh, mais... Il m'a détrôné, frère. Pouah. Pouah. Oh la vache. Oh la vache. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Oh la vache. Pouf. Si tu le butes, tu deviens l'alpha, Bob. Je sais pas si je peux porter cette charge sur mes épaules. Mais allez, il faut que j'aie confiance en moi, là. Je me suis tapé des jumelles. Je me suis tapé la femme loyale bonne, enfin loyale neutre si tu veux, celle qui voulait jamais enlever son armure. Je lui ai fait polir ma lance. J'ai sexualisé Lindsay. Dobby c'est mon chien. Enfin pas Dobby mais Knock Knock c'est mon chien. Octavia, je l'ai pump and dump. Je suis là, je suis dans le game, je suis dans le game. Je suis dans le game, je suis dans le game. Il a baisé Calique, même pas mais ça me dégoûte, mais c'est pas grave. Mais je suis dans le game, je suis dans le game, je suis dans le game, je suis dans le game. Il faut y croire, il faut y croire. Je suis dans le game, je suis dans le game. J'ai aucune chance. Si je suis obligé de me... si je suis obligé de me hyper comme ça devant Yerometi, c'est que j'ai aucune chance en fait. Je suis comme Lindsay face à la chanteuse Calistra là ou je sais pas quoi là. Oh là 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 là. Mais non, je suis dans le game, je suis dans le game, je suis dans le game parce que j'ai Véronicus. J'ai Véronicus et ça c'est le game. C'est le game. C'est le game. On est dedans, on est dedans, on est dedans. Krillin face à Goku SSJ bleu. Ah mais... Oh là 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 là. Non, si il revêtit, il a un Véronicus, c'est terminé. Mais apparemment, il a juste un elfe un peu nul là. Donc tout va bien. Blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla. Mais il s'est saucé Anamed et Atalia Gitamen. La célèbre barde à qui on vient de parler avec Lindsay est la directrice de l'Académie des Grands Books de Pitax, quoi. Pouah, Lindsay, c'était qu'une question de temps avant qu'elle passe à la casserole. Hein. Oh. In due time. Imbloquable. Tout bonnement imbloquable.
On m'a fait entendre que vous n'appréciez guère la façon dont il règne Hiroveti. Pas si fort, Hiroveti a des oreilles partout. Mais puisque votre Altesse tient à le savoir, voilà, la garde sert la ville, pas la couronne. Ah. Ah, malheureusement, il a une garde personnelle. Et du coup, les gardes normaux peuvent plus l'approcher. Ah, un cœur juste au milieu d'une ville en putréfaction. Prenez bien soin de vous, capitaine. Ce sens de l'honneur vous vaudra des ennemis. Si vous dites bel et bien la vérité, capitaine, alors veuillez accepter ma compassion et toute mon admiration. Servir la loi et les besoins de la population envers et contre tout, y compris son propre dirigeant, il ne saurait n'y avoir que plus noble devoir. Israël Kaelis, note à soi-même. Épargnez cet homme. I'm there. Bon. Venez, venez, pas de timidité mal placée, découvrez des secrets d'ordinaire dissimulés à la vue des mortels, une bataille éthérée, confidez dans un vortex surnaturel, pariez, faites vos jeux. Un bande d'escrocs, je vais vous donner de leçons. Quel est le règlement? Vous croyez qu'il s'agit d'un jeu? Choisissez des magiciens et battez-vous! Très bien, je parie sur Mysteriado. Les jeux sont faits, rien ne va plus! Oh, j'ai l'avantage. J'ai perdu. Ça se passe bien là. Non, dommage. Allez. Non. Ouais. Mysteriado l'emporte. Le combat est terminé. Vous avez gagné 1000 balles. Ouais. Follow if you dare. Always bait on Bob Lennon. Non mais Lindsay, il la mating presse pas. Le roi Hiroveti. Lindsay, c'est une serviette. Faut que tu comprennes, c'est une serviette, Lindsay. Lindsay, c'est un peignoir. Lindsay, c'est un préservatif, si tu veux. C'est terminé. I'm there. Allons-y. Adventures call to them. Allez. Droit d'entier, 500 pièces d'or. Escroc, pirate, arnaqueur. Ok. Je vais tenter de crocheter les serrures. Venez, la table est ici. Bonne chance. In due time. Anything else? Ok. Above, please. Ou piégé. It's just not my lucky day. Ah, la dernière serrure fait de la résistance. Combien? D plus 36, 46, quel dommage. I'm off. Applause, please. Anything else? Encore? 4! Mais putain! Avec un modificateur de 40. Hein. Honteux. Honteux. Just letting the ink dry. Applause, please. Voilà. Il vient d'ouvrir la dernière serrure. Il y avait une chance, sur un minon. J'ai gagné les gants du désamorçage. Excellent.
+5 d'aptitude au test de doigts de fée. Bah c'est bien pour comment ça s'appelle pour notre amie la sorcière. Putain, il faut que je m'équipe aussi. Hein. Poder. Oh, ça marche. Je gagne encore plus d'intelligence et de charisme. Ah, excusez-moi, je suis sûr que le chat a cagué, je le sens d'ici. Je reviens. Ok, mes excuses. Alors du coup, bonne nouvelle, le collier s'accumule avec le chapeau. Et donc, parce que normalement, il y a des limites. Genre, quand tu mets un anneau qui donne +4 et une ceinture qui donne +4, tu ne prends qu'une seule fois +4. Mais ce collier, même s'il me fait perdre des stats, donne quand même +2 intelligence, sagesse et charisme. Donc c'est important. Là, je les mets pour avoir de la persuasion, mais du coup, voilà. J'ai le livre, j'ai la potion d'héroïsme, potion de restauration partielle que je vais poser. Et remplacé par la vouivre lapis-lazuli. Frère. Alors cette carte donne un +5 et corps élémentaire de terre. C'est intéressant. Mais cette carte me donne +6. 4 de l'accusateur me donne plus de, d'intimidation à l'éloquence. +2 au jet d'attaque et de dégâts contre les cibles secouées. Et je peux pas mettre la cape positive. Donc voyons. Cape d'intimidation, elle est rouge. Très bien. +4 à la CA en plus. 42. Waouh. Ouais, elle marche en plus. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre comité ? Bandeau de la perfection mentale. Mental, intelligence et charisme. Et ça, ça donne 6 charisme, intelligence et sagesse. Donc c'est la même chose. Et +2 au jet de sauvegarde. Donc c'est vraiment un super objet. Mes gants. Gants alcalins. Gants de duel. Bon bah je crois que j'ai fait le must de ce que j'ai pu. Voilà. My skills are getting rusty. Please, do tell. Diadème cinétique supérieur. Brumacide, c'est intéressant que tu le gardes, choupette. I am your shield. +2 à la CA et au corps à corps. Ah, ça donne quand même +2 hein, si elle met un anneau de protection +4, hein, c'est pas rien. Hein. Mais une meilleure cape déjà, ça lui fera du bien. Allez, une belle cape rouge. +6 au charisme, t'as pas besoin de plus, je pense, choupette.
and Lindsay was called forth. What's new? What troubles you? So, any brilliant ideas? Here. Keep your eyes open. Cap du chaman. I will protect. Give the order. Ah oui, j'avais acheté une nouvelle armure, je crois. Non. Qu'est-ce que j'avais acheté? You require my assistance? We should move. Ah oui, des colis aussi plus efficaces. Level 4. C'est des super anneaux. Anything is possible. I am yours to command. Don't hesitate. I am your shield. Depend on me. Ok, très bien. I'll take care of it. Ah merde, quel était l'objet qui me permettait de faire un truc d'intimidation de fou? Be on guard. Ah, c'était ça. Mais ça, regardez, ça me donne. Si je le mets, ça me donne moins 3 à force, dextérité et constitution. Donc si je l'enlève, ça me donne ça, tu vois. Mais si je le mets, ça me donne plus 2 à intelligence, sagesse et charisme. Ce qui me donne un bonus non négligeable à mes autres stats. Ouais, non, mais dans ce cas-là, vertu intérieure. Allez, hop. Vertu intérieure et puis basta. Allez. It's time to act. Histoire qu'on ait l'intimidation. Le pot d'air écrasant. Voilà, très bien. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à ce tournoi que j'ai raté ou j'aimerais participer aux festivités. Est-ce que j'ai le droit de me reposer dans ce tournoi seulement? Fais gaffe, le roi n'est plus équipé de son arme. Je sais. Je vais pas opposer ici, tant pis. I'm there. Très bien. Nunzio Arapaya. Arapaparaparaparaparapia. Arapaparaparaparaparaparapia. Parapaparaparaparaparapia. Arapaparaparaparaparaparaparapia. C'est resté. I'm always ready. Voilà. Votre Altesse Royale, bienvenue au tournoi de Vive Lumière. Je m'appelle Nunzio Arpaia et j'ai l'honneur d'être le maître de cérémonie de Son Altesse du Roi Eroveti. De fait, toute l'organisation de tournoi repose sur mes épaules. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Ah, le larbin. Larbin en chef. Une seconde. Je reste à votre service.
Tous ces items qu'il va falloir distribuer. Adventures call to them. Just letting the ink dry. Okay. I wrote it like I saw it. Potion peau d'écorce. What manner of country is this? Where is the lavish dining, the festivals? Place barely merits a footnote in my compendium. My skills are absolute. Je suis prêt. Quand tu auras fini, tu veux faire les 45 mobs de la clé ou la quête de tes persos? La quête des persos d'abord, Sullivan. On finit d'abord ça et ensuite les mobs. Faut bien le prévenir de faire le tour de tous les marchands. Il n'a acheté qu'une invocation. Comment ça, il y a deux invocations? J'ai eu que la vouivre bleue, moi. Tu as pas pris le dragon de Saphir? Saphir, c'est bleu. Lapis-Lazuli. Je sais pas quel marchand là, ton dragon, mais let's go. Quel est le programme? Trois actes. Pêche. Vantardise. Parodie de combat. Duel de rimes, c'est mon point fort. Je crains fort que le duel de rimes n'ait été annulé en raison de ma présence. C'est d'autant plus dommage que j'aurais eu l'occasion de remporter une seconde condamnation à mort. Je suis prêt à participer à l'épreuve triple de pêche. Parfait, commençons. Les trompettes ont résonné avec force annonçant le début de l'épreuve triple de pêche. Nous allons devoir nous distinguer dans trois disciplines sportives, si on veut les appeler ainsi. Chers lecteurs, chères lectrices, jugez-en par vous-même. La première manche consistait à transporter des poissons. Des trois ponts avaient été bâtis au-dessus de fosses boueuses. À chaque extrémité, un tonneau. L'un rempli de poissons, l'autre vide. L'objectif était de transvaser toute cette poiscaille d'un côté à l'autre à main nue et sans piquer une tête dans la fange. Exactement à l'image que l'on se fait d'un tournoi royal. S'il était interdit de lancer ses poissons sur les adversaires, la règle non officielle, bien que parfaitement intégrée par tous, consistait surtout à ne pas se faire prendre. On devait décider lequel d'entre nous participerait et si nous jouerions à la régulière. Nous avons triché en jetant des poissons sur les adversaires. Face à de tels adversaires, faire preuve d'honnêteté aurait été encore plus embarrassant que de perdre la partie. Alors qu'il traversait le pont à grandes enjambées avec sa cargaison, Ekundayo, malencontreusement ou adroitement, laissait échapper un poisson qui est venu se loger sous le pied du concurrent de Ralton. Quel joli vol plané! Une acrobatie que le candidat de Dag, cet employé imité, frappait en pleine tête. Les juges n'y ont vu que du feu. On a remporté la première manche. Deuxième manche, c'est une histoire de nœuds. Attachés à un mâle, les participants devaient dénouer leurs liens. Et nous sommes à nouveau retrouvés confrontés à une véritable dilemme. Doigt de fée. Décider de tricher en dissimulant une lame. Test réussi de perception. Doigt de fée. Soudain, nous avons remarqué que le concurrent de Dag serrait une pièce aiguisée entre ses dents. Et le participant de Gralton, lui, avait carrément une lame à la main. Nous avons dénoncé les tricheurs et réduit le nombre de nos rivaux. Les juges ont escorté les tricheurs hors du terrain du jeu sous les huées du public. Avec un tiers des adversaires éliminés, Lindsay a rapidement pris de l'avance sur les derniers concurrents. En rien de temps, elle se défaisait de ses liens et s'avançait vers les juges. Dans son dos, le reste des participants se tortillait encore, tels des mouches dans une toile d'araignée.
nous ont remporté 2 manches sur 3. La victoire nous semblait acquise, mais il ne fallait tout de même pas nous reposer sur nos lauriers avec des adversaires tels que les nôtres. Dernière manche, plongée à la recherche de perles d'eau douce. D'énormes baquets avaient été remplis d'huîtres d'eau de la rivière, non loin des jarres vides attendaient sur les bras. Qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Il fallait récupérer les perles et les déposer dans notre précieux calice. Quelqu'un de peu scrupuleux aurait pu tenter de faire pencher la balance en sa faveur par d'autres moyens. Nous avons décidé de respecter le règlement. Nous avons décidé de glisser en trichant quelques cailloux dans notre jarre. Nous avons décidé de tricher sans vergogne afin de disqualifier tous nos rivaux. Well, let's go! Lindsay a courageusement plongé dans les eaux boueuses et commencé à ouvrir les huîtres, au prix de ses ongles qui ont vite rendu l'âme. Elle a rempli sa jarre de perles aussi vite que possible sans dédaigner ajouter un caillou par-ci, une pincée de sable par-là, voire une bonne poignée de boue à l'occasion. À la fin du temps imparti, sa jarre était la plus lourde de toutes. La victoire était à nous. Mais vite, nous paradions sur la plus haute marche du podium. Alors que les juges nous félicitaient pour cette victoire, nous étions trempés, crottés, puants, mais fous de joie. Ouais! Il faut s'adresser à nous. Eh ben, ça s'est très bien passé. I am never wrong. And Lindsay was called forth. We should move. Très bien. Je suis prêt à participer au concours de vantardise. Commençons. Le tournoi s'est poursuivi par une épreuve de vantardise. Le premier participant venu de Dag est monté sur la scène et s'est lancé dans une histoire grivoise où il a été question de s'introduire dans un temple de Calistria et de séduire toutes les demoiselles du lieu, y compris la grande prêtresse en une seule nuit. Les regards suggestifs et régulièrement jetés à la dérobée à l'une des participantes de Timon ont ravi la foule. La belle, pour autant, n'a eu pour toute réponse qu'un sourire mystérieux. Oh chier. Second participant, qui représentait Gralton, était venu armé d'une fable totalement loufoque, soi-disant récit de ses voyages sur d'autres plans à l'occasion duquel il avait affronté des hordes de morts vivants et terrassé un monstre assoiffé de sang. Au mieux, c'était un compteur moyen. Il aurait déjà eu de la chance d'obtenir une note passable à l'académie, mais ses spectateurs sont vite tombés sous le charme. Suspicieux, nous avons regardé la foule de plus près, et bien sûr, il y avait un barde qui employait tous ses talents et un peu de magie au service de la performance de l'homme de Gralton. Nous sommes grissés auprès du barde, l'avons poignardé dans le dos et nous sommes évanouis dans la foule. Diplomatie, nous ont prévenu les juges. Intimidation, nous avons discrètement averti le barde d'arrêter ses manigances s'il tenait à la vie. Petit assassinat! Le barde s'écroule au sol, s'étouffant déjà dans son propre sang. Mais nous étions déjà loin lors des premiers spectateurs ont commencé à s'émouvoir. Inutile de dire qu'après ça, l'homme de Gralton a eu beaucoup de mal à marquer les esprits. Le tour de Pitax est venu. L'honneur du royaume était défendu par Annabeth Bellavara, une chanteuse à la voix de velours dont les sourires ravit les cœurs les plus tendres. Oh Annamed, mais si sa voix est douce comme la soie, ses mots possèdent le tranchant de l'acier. Ohé, et pourtant, vous devriez voir l'intérieur. Si sa voix est en soie, l'intérieur est de velours. Et ne me prenez pas ma parole, prenez celle d'Irovetti. Avec un sourire angélique, Annamed a raconté comment elle avait fait plusieurs mois dans notre royaume à apprendre nos secrets et à fomenter des troubles. Bien sûr, sous les atours du bas se cache souvent un espion prêt aux manigances de l'ombre, mais oh Annamed, qui aurait pu s'attendre à ce qu'une dame si belle porte un coup si laid? Annamed a décrit, avec une précision de détail étonnante, les souffrances des sujets de notre jeune état. Confrontée aux attaques de trolls, aux fléaux, la maladie magique, elle ne s'est jamais abaissée à mentir, mais elle fait passer notre roi pour un baron à l'époque, enfin certains barons à l'époque, pour un noble porté sur la bouteille qui préférait se vautrer dans la débauche plutôt que de voler au secours de son bon peuple. Sa langue de miel a transformé notre épopée contre Vordakai en conquête astucieuse de Varnhold. Quant à la guerre avec les seigneurs des tigres, elle est devenue le fruit de nos entreprises irresponsables. C'est tellement cruel et injuste, je la retiens. Annamed ayant achevé sa prestation, notre tour est venu. Quel est être le thème de cette performance? Régaler des récits de nos victoires sur le Seigneur Serre, les trolls, Vortakai et Armag. Il a raconté la fois où le baron a été nommé Gobelin honoraire. En réponse de l'histoire d'Anamed, il a raconté comment nous avons éliminé Tartuccio, un autre espion d'Irovetti. Il a oublié une histoire captivante mais fictive. On va régaler.
n'a pas été facile d'éveiller l'intérêt du public. Oh, les exploits étaient glorieux, n'en doutez pas, mais c'était bien là le problème. Ces contes et spectateurs les avaient déjà entendus 100 fois. Valcar a mis toute son innocence au service de ces vieilles histoires, désireux de leur insuffler une vie nouvelle. La foule était pendue à ses lèvres, tantôt riant sans retenue, tantôt retenant son souffle pour ne pas perdre une miette du récit. Quand Valcar a mis un point final à son histoire, les spectateurs lui ont réservé un tonnerre d'applaudissements. La femme du Timon, une prêtresse de Calestria, a clôturé la valse des candidats et nous a conté ses histoires d'amour sulfureuses avec pour des décors des contrées lointaines et même d'autres plans. Quand elle a mentionné en aparté une maladie déplaisante contractée lors de ses pérégrinations, un mal dont elle a mis un temps fou à se débarrasser, le participant de Dag, blanc comme un linge, a nerveusement agrippé sa ceinture. Je vous laisse imaginer l'hilarité générale. Les juges ont fini par annoncer le vainqueur. Valcar, il a gagné les strates sous un tonnerre d'applaudissements pour faire une dernière révérence. Bien. Bien, bien, bien. It's time to act. Comme il se doit. C'est pas que le micro est pété, c'est que le jeu pète le micro en fait. Tu peux pas streamer ce jeu sans que le micro soit pété, c'est comme ça. Navré pour le micro, hein, brave Jean. C'est comme ça, j'y peux rien. Alors, je suis prêt à participer à la joute pompette. Commençons, ça va être splendide. C'est tout? Et on leur casse la gueule? Oh, adorable! Il faut que je casse la gueule à plus de... au plus de gens possible. Inclinez-vous devant mon poder. Ouk. Intimidation réussite. Muda. Un effort méritoire, mais vous êtes maintenant dans mon piège. Attends, attends. Oh, Pucci. Book, comme on dit dans le métier. Quoi? Toi. Ah, j'ai rien, d'accord. Ryo! Book! 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 Et voilà! Une naine au sol! Raté, raté, raté! Trop petit, trop faible! Book! Ils m'ont pas touché encore, hein. Bien joué ça. Don't hold back. Oh, je l'ai déglingué. Muda, 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 muda. Hey, il se défend, hein. C'est le gitan dans Snatch, hein. Ah, j'ai 33 d'armure, hein. Bouk. Bouk. Bouk.
Mais je leur ai cassé la gueule! Alors, oui, d'abord. Eh ben, on a tout gagné aujourd'hui. Le tournoi est terminé, n'est-ce pas? J'aimerais savoir qui l'a emporté. Alors, attends, d'abord, je suis allé voir les 4 vendeurs. Hein. J'ai pris tout ce qui m'intéresse, hein, je vais le redire. Je pense pas avoir rien laissé. Hein. Je pense que j'ai bien raflé l'endroit. Hein. Même le marchand gobelin, il m'a vendu un truc cool. Moi qui manque un vendeur là, si tu veux. Non. Oh, une vouivre. Un ours hibou, putain. Stylé. My skills are absolute. I'm there. I'm off. I'll take care of it. Adventures call to them. Ah, j'aimerais bien utiliser le sort de portail pour passer. Je suis curieux en fait. Bon. Carne Vérelle, sauvegarde rapide. Vous croyez que je peux utiliser un parchemin de portail ou un truc comme ça? J'aimerais bien explorer l'autre côté. Enfin. L'on murmure que vous n'êtes pas un marchand ordinaire et que vos produits sont là d'être communs. La sanguine, par exemple. Chut, mais ça va pas, donc silence! Il y a trop de monde par ici, trop d'oreilles. Si vous voulez parler au fer, on causera pitasse. Je me souviendrai de vous. Très bien. Excellent. Mais du coup, vous pensez que je peux utiliser un parchemin là-haut? Est-ce que j'avais pas un objet qui me permettait d'utiliser transport ou une connerie comme ça? Qui pouvait faire ça? Keep your eyes open. Mais je crois que c'est peut-être Octavia. Hein. Ah. What troubles you? Follow if you dare. Yeah.
time there. Zap. Just letting the ink dry. Quiet, I'm thinking. And Lindsay was called for. And so they walked on. Ah, ils y ont vu mes couilles. Où c'est Jutax? Lettre de Trébissant au roi de Pitax, vénéré souverain du royaume le plus florissant. Je m'empresse de vous informer que la mission secrète dont vous m'avez gracieusement chargé touche à son but. Le nom porté par cet endroit ne résonne point de la musique des sphères célestes, et je n'oserai jamais insulter vos yeux de l'image de ces ignobles syllabes. Mais pour une question de précision, je dois vous informer de notre localisation. Cet amas de taudis s'appelle Petite Ville. L'auberge où nous sommes installés pour la nuit se trouve en lisière de la forêt. Au petit matin, les ménestrels ailés régalent mes oreilles comme ceux de mes voisins talentueux frères de plumes. Blablabla. Quant à moi, quel que soit votre souhait, je me prosternerai à vos pieds avant de déclamer mon sommet le plus abouti, inspiré par la nature locale que j'apprécie comme votre volonté royale. En inclinant jusqu'à terre, votre Altesse, Trébissant de Cordéléon. Les vilains secrets du roi Hirovetti. On a trouvé un papier incriminant, j'ai l'impression. Hein. Ah mais j'ai trouvé un petit papier Petit papier incriminant. Je sais pas s'il a les bandits à sa botte du coup. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Le tournoi est terminé, n'est-ce pas? J'aimerais savoir qui l'a remporté. Son Astel va annoncer le vainqueur. Regardez, tout le monde se rassemble. Et boum, on est téléporté, on est safe. Lords and ladies, another rush-like tournament has come to an end. I'd like to thank all of you who honored this event with your presence. My friends, I'm happy to see all of you, but I'd like to give a special welcome to one guest who found themselves invited here for the first time. Today, we had the Baron, no, excuse me, it's King now, isn't it? Of a majority of what was once the Stolen Land. Thank you for coming, my darling. I can call you that, right? Oh. I thank you with all my heart. Oh la 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 la. I first learned of him from my friend Stefano Mosconi. To be honest, his report was less than flattering. Impassable swamps, monsters galloping about, and a complete absence of any valuable resources. Nothing more than a dirty hole ruled by another bandit lord, hardly worthy of your attention. That's what he wrote back then. I'm so happy he was wrong. Reculé. Stefano himself seems to have vanished somewhere in the neighboring domain, unfortunately. Perhaps he met a hydra on his way back, or drowned in the omnipresent mud.
Or maybe he just caught the Baron in a bad mood, eh? A joke, a joke. Stefano was a great fellow. It's a pity he joined the many travelers who vanish in those lands each year. Truth be told, even now, traveling that domain is a less than pleasurable experience. Some roads have appeared, but their safety leaves much to be desired. Take the sad story of a poor Toman Henvaki from Gralton. He set off to those lands and hasn't been seen since. His brother Edrist went to find the poor fellow, and what happened? The Baron found the body in the blink of an eye. Almost as though it was stored in his cellar. And the hunt the Baron put on, clearly imitating my tournament? It was beyond description. While guests were out hunting hydras and owl bears, the latter came from behind and ate at the banquet table, along with all the servants. Some celebration, right? Alors! Montrez aux invités la chevalière avec le monogramme d'Iroeti. Moi aussi, j'ai une histoire passionnante à raconter. Cette chevalière m'a été donnée par un gnome appelé Tartuccio, la nuit sanglante où le manoir du seigneur des épées Diamandi Aldori a été attaqué. Votre attention est flatteuse, mais un peu perturbante. Pourquoi ne pas évoquer vos propres exploits? Par exemple, j'ai une anecdote tout à fait pittoresque de ce que m'ont confié certains étudiants de votre académie. Eh ben... Iroveti, très cher ami, tant de sollicitude me met mal à l'aise. Et si on parlait de votre royaume, combien de cadavres repêche-t-on dans les ports de Pitax chaque année? Vos paroles ne sont que poison. C'est là votre définition de l'hospitalité. Si je vous ai offensé de quelque manière, parlez franchement et je vous présenterai mes excuses. Oh, coq. Mensonge, mensonge, calomnie. Et retirez ces paroles. Conservez le silence. Silence. J'ai une histoire passionnante. Les invités écoutent votre récit bouche bée. Iroveti tente de vous interrompre, mais vous avez capté l'attention de toute l'assemblée. A most amusing story indeed. Unfortunately, it has little to do with me. True, that rascal Tartuccio was spending my money, but he was acting entirely of his own volition. Ah bah tiens! All I really wanted to get at was that His Highness is a personage truly as extraordinary as his land. And I'm happy to see him at this celebration. And now it's time to announce the winner of the tournament. This year, all three contests were won by guests from one kingdom. I'm not sure what charms, tricks, or divine intervention helped him, but... Okay. Let's hear it for the winner! Your Highness, if you please. I know you're not exactly a master of ceremonies, but please try to say something articulate to my guests. Ha! Dites quelque chose de bien, mes. Faites un discours articulé! Votre Altesse, chers invités, participer à ce tournoi fut un grand honneur et un plaisir. Je vous remercie pour cette journée inoubliable. J'espère que ma victoire n'a offensé personne. Pardonnez-moi, mais il est difficile de mettre d'un talent aussi exceptionnel en sourdine. Ce niveau de poder. Regarde les résultats, c'est toujours la même, hein, ouais. Merci, mais je n'aime pas beaucoup les discours publics ou les cérémonies. Ça vous dérange pas, je garderai le silence. Iroveti, j'en ai assez de votre impertinence. Que les abysses vous engloutissent, vous, et vous insultent. Malgré la tentative de me ridiculiser, il m'aime. And now, with the competition over and the prize awarded, let's get on with the main part of the celebration. The banquet! I can hear your stomachs growling from here. Let's get to the table, and later we'll see an unforgettable fireworks show. Hey! Giocherini! Et ben je l'ai bien cuqué, hein. En plus je peux me balader chez lui là, ça y est. Je peux explorer son boui-boui là. Ah bah.
Son nom est indisponible, très bien. Il a pas essayé de t'empoisonner durant le banquet, j'en sais rien, je vais le cast. Je vais caster un antipoison, je suis pas ouf. In due time. Ah, je peux pas entrer là. Lol. Ah, ça laisse pénétrer. I'm there. Ah, il y a une barrière invisible, eh. Ah si, c'est bon. Follow if you dare. Ouais, ils les ont laissés là! Eh ben. But of course. Depend on me. It's time to act. Et maintenant un shop disponible où ça? À quel endroit? Sullivan, les moitiés d'infos, ça m'énerve. Faut donner des vraies infos. Faut me dire où c'est, parce que si tu titilles juste ma curiosité comme ça, ça marche pas. Bon, par contre, il rame du cul. I do what I must. Moitié backseat, c'est ban, hein, j'ai retenu. Ouais, mais pardonne-le, il savait pas. Sinon, tu tires à vue. Et après, ils sont là. Ah, j'étais banni pour backseat. Non, t'as été banni parce que t'as mal fait ton travail. Ah, ça me fait perdre automatiquement, d'accord. Skills are absolute. On sait jamais, je veux pas me faire ban pour backseat. Tu te feras pas ban pour backseat si c'est bien fait. T'es pas censé retourner dedans, je sais même pas comment t'as fait. J'ai cliqué. Ok. Et du coup là, je peux explorer Pitax. C'est chez WAM, frère. Ah ouais. Du monde. Très bien. Ils vont me casser la gueule ou je peux partir? Guerrier fanatique, roublard fanatique, guerrier fanatique. Et bon, voilà des minables. Tout le monde s'équipe. Bon.
Accumulation des poders. Et voilà. C'est fini. Blic. Gluck. Qu'à reculer. It's time to act. In due time. Weapons, spells, poisons. The art of killing is so diverse these days. A shame one life is not enough to master them all. I'm there. Voilà. Ouh! Putain, qu'attendre 20 heures que ça se calme. Non mais... Par contre, ils ont tellement payé, je veux pas dire, mais entre le sol qui explose et le petit acide sulfurique, les mecs, ils ont fondu. Ok. Adventures can wait. Ah, quelle est cette sensation? Valkar, vous avez l'air épuisé. Épuisé? Moi? C'est parce que vous m'avez donné votre médaillon. Débarrasser des pirates fluviaux, c'est sur la route. Je peux y aller? La capitale? Je peux y aller comme ça? T'as tout sauf la capitale de dispo. C'est pas le cas. Bon après j'ai pas Octavie avec moi donc ça sert à rien. Infiltration. Oh, et puis non, on les défonce. C'est tout de suite moins marrant quand c'est le roi qui fait de la marche forcée, c'est sûr. Oh! I'll try. Le chevalier squelette.
Je regarde, hein. Il n'a rien d'intéressant. C'est quoi ça, robe de transmutation? Et quoi, de transmutation? D'accord, c'est de la merde. Doigt de la mort. Voilà. Ah, il accepte qu'on mette un campement. Il est sympa. Il est sympa, ce squelette. Allez, on monte le bivouac. Ouh, alors, on a masse de rations, donc allons-y. Chasse qui chasse. Et Kundayo ! Camouflage du camp. Eh ben vas-y, Canera, tu te démerdes. Rôles spéciaux. Inspiration. Ouh. Pâté d'hydre. Putain, pas mal ça. Gratin monstrueux, pâté d'hydre et de truie de fumée, let's go. Je vais monter la garde. Avec Valérie. Attends, je vais prendre la garde de nuit plutôt. Voilà. Excellent! You're so sullen, quiet. Readers like mysterious characters like you. I'm not a character, not a hero from legend. I just want everything to be over. Mm-hmm.